Un temps un peu plus instable cet après-midi dans le sud de Virginie. Exactement, avec cette image en direct ici, en région PACA, vous le voyez au Pradé, on a un ciel très chaotique. Pourquoi ? Parce qu'on a une dépression qui circule en Méditerranée. Avec de l'air très froid en altitude, ça déstabilise la masse d'air. On la voit très bien ici, hein, donc en Méditerranée. Alors que plus au nord, ce sont des conditions anticycloniques, donc l'inverse, un temps un petit peu plus calme malgré quelques passages nuageux. Donc des averses de neige d'ailleurs actuellement sur les Alpes du Sud. Des averses orageuses possibles du côté du Var, un temps assez perturbé du côté de la Corse également. Et puis partout ailleurs, on a une belle luminosité, surtout sur les côtes de la Manche et les côtes atlantiques. Partout ailleurs, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Vos températures cet après-midi, globalement stationnaires par rapport à hier, mais on reste 4 degrés en dessous des valeurs de saison. 9 degrés pour Nancy, 12 degrés à Paris et jusqu'à 17 degrés la maximale pour la ville d'Ajaccio. Pour votre week-end, globalement calme là aussi, des conditions anticycloniques avec de belles éclaircies déjà en matinée. On aura toujours ce temps plus instable et ce ciel un peu plus gris entre les Pyrénées et vers la Méditerranée. Des averses orageuses près des côtes. Des averses qui se transformeront en neige à dès 700 mètres sur les Pyrénées. Puis dans l'après-midi, on trouvera globalement un temps un petit peu plus calme sur l'extrême sud. Partout ailleurs, toujours de belles éclaircies. Les gelées seront moins nombreuses en matinée, mais la matinée restera fraîche, comme vous le voyez. Et puis dans l'après-midi, les températures vont grimper sur la moitié nord grâce à l'ensoleillement. 12 degrés à Strasbourg, 13 à Paris et 16 degrés entre le sud-est et la Corse.